Antoine qui lui-même développait, pour ton précision par rapport à Anon qui était cité tout à l'heure concernant la question 50 millions d'euros pour la République. Là. Sénateur Dera, bonjour. Salut guerrier, salut guerrier, salut bossé, salut tout le pays d'Haïti. Je veux juste porter une précision pour M. Christin qui a parlé d'Alea. Et je veux porter une précision tout pour tout sénateur qui est au Sénat aujourd'hui, vous vous sentir confortable. Pour vous dire que le Sénat n'a pas de question que tout arrive. Déjà, si mon Dieu seul, pour ce que tout arrive, déjà, si mon Dieu seul, pour tout le monde qui vole l'argent que tout arrive, pour vous rendre compte, même si c'est la maman, mais cependant, nous, beaucoup mourir, je nous calais toujours, lors de 2009, mon Dieu calais, ou pas mettre nous la donne, je mettais mon Sénat de la République à travers moi-même, la question que tout arrive. Alors, tout le monde qui mettait nous, et pas ni avocat ni défenseur Cour des comptes, même la Cour des comptes m'impliquait, c'est l'agent du trésor public qui la donne. Donc, si mon compte personnel qui t'a réglé, à ce moment, moi-même, je voulais éclairer l'antenne, tout sénateur de la République, pour être fier, vous dire, Sénat, pas de notre dossier, peut-être arrivé, et nous voyons dans le budget 2012-2013, page 26. Et là, il vient dans page 38, il y a tout le monde qui était là dans YouTube, vous mentionnez ça clairement dans le budget. Donc, Sénat, pas de question, peut-être arrivé. Est-ce que c'est erreur? Est-ce que c'est méchanceté? Est-ce que ce sont des criminels? Nous ne savons pas qui est le fait là. De toute façon, M. Christ peut demander, même si ce n'est pas l'enjeu de Caribe, doit y avoir une édition des comptes. Oui, l'édition des comptes là, est déjà faite déjà, parce que des charges déjà accordées pour gestion 50 millions de gouttes là déjà. Et août 2014, coup des comptes fait deux rapports pour exercice 2013-2014. Et sous base audit, la commission sénatoriale Sénat a déjà accordé des charges sous gestion comme ça déjà. Pour clarifier, nous devons vous des clarifications une fois pour toutes. Nous connaissons rien tant pas parler de nous propres. Et nous voulons réaffirmer avec une conviction ferme et inébranlable. Nous pour vos sapiens de Caribé, nous pour et lumière cette question ça. Nous ne parlons pas complices du tout que c'est nous-mêmes qui pas pour lui, mais quand même nous tenons à porter décision pour nous tirer le Sénat de la République là, à travers nous-mêmes qui t'a dirigé à l'époque. Et en deux questions ça, parce que nous dit, nous avons référence, aller dans la loi finance 2012-2013, page 26, la preuve que 50 millions de gouttes Sénat, c'était réseau public ou ressources nationales. Donc, il n'y a pas rien pour un rapport Petit-Caribé, mais ça peut empêcher que l'île dans le document enquête la Cour des comptes. Alors, bien sûr, capable de mes criminels qui m'aident, on est des députés choisis 12 disciples, là-dedans, des gouttes qui étaient les Judas. Malheureusement, ce n'est pas Judas, je dis à Gabab, son certain Paul. Mais quand même, vous mettez qui, vous mes criminels qui fait action. Hein. Donc, mes criminels, ça, au moment opportun, en temps utile, je vais vous me donner sur ça, mais pour le moment, je devrais clarifier au nom de la morale républicaine pour me mettre tout sénateur confortable pour le dire. Et suivant le document que j'ai nommé au Sénat avant la question de Caribé, je vais dire encore budget 2012-2013, page 26. D'accord, merci un peu, sénateur Dera. Nous n'avons pas parlé trop, mais j'en dis là, donc, côté précision, 50 millions de gouttes, ça, qui était adjoint au Sénat, c'était trésor public, il n'y a pas de rapport avec la question Petro-Caribé. Excusez, encore une fois, bon côté correspondant, malgré que déjà souligné, mais nous n'avons pas de recevoir, puisque l'air est déjà arrivé, probablement à 3 heures, Galito a fait tout correspondant, ville provinciale. Pour recevoir correspondant pour comment ville provinciaux réveillée après le passé micro à Jaco. Seulement, on a dit bonne fête à Peterson François qui t'a fêté hier, Jackie Félix qui t'a fêté samedi, Jimmy Simon Désir qui a fêté demain, Liaville Chili, Watchaline Antoine depuis Jacques Mel qui a fêté, Darlene Wagnac qui t'a fêté hier, samedi Sadi, Chener Joseph, Léonore Augustin et puis Johnny Vélancier qui a fêté. Jaco, bonjour, bon la journée à toutes fanatique journal, première occasion. Bonjour Pierre Wenel. Bonjour Guerrier, et puis bien Mac Wilken Jean, hein, ancien porte-parole dans direction inspection, l'inspection générale police là. Jaco, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre Wenel, bonjour Guerrier, bonjour tout le monde qui branche KIB FM. C'est la première sortie qu'un sportif qui entre la CAO qu'on est en actualité à être dominé par la Gold Cup et la Copa América, mais avant, c'est Gold Cup là, parce que hier, sélection haïtienne a signé à côté. Oui, dis-nous, en résumé, nous, au niveau, bon côté de la présidence, nous sommes satisfaits de visite, hein, mission OEA, dernièrement, dans le pays d'Haïti. En effet,
mission OEA rentrée en Haïti, c'est venir faire une exploration de situation socio-politique là par rapport à Caponagonicio qui créait un enjeu dans une phase à crise multifactorielle, phase à crise politique-institutionnelle, ça, et bien, côté que Haïti fait partie de l'OEA, qui est une organisation hémisphérique, donc la solution, c'est pas OEA Capodeli, et que le président Jovenel Moïse, discussion, dialogue, négociation, c'est avec Haïtiens pareil que pour le faire, et d'autant plus que le président tout Haïtien à la Ronde Badet, donc il y a un problème haïtien, il y a une solution haïtienne. C'est ça que le président Joseph Moïse Kouen, donc OEA, selon les normes diplomatiques internationales, et par le fait que Haïti est membre de l'OEA, OEA a joué un rôle de facilitateur qui vous permettre acteurs politiques et forces vives nationales, particulièrement acteurs politiques, chita avec l'exécutif là pour dialoguer et que pour parler. Donc, c'est pas OEA quand vous opposition, quelques mois dans l'opposition, d'arriver à comprendre qu'a pu porter solution. Donc, les problèmes, c'est problème haïtien que vous solution, c'est solution haïtienne. Eh bien, c'est ça qui fait le président Jovenel Moïse, prioriser dialogue avec qui est, avec Haïtien pareil, qui dans l'opposition politique là, et qui dans vie sociale du pays, qui dans vie politique du pays, qui dans vie économique du pays, c'est un dialogue inclusif des Haïtiens, entre les Haïtiens, et qui un dialogue qui doit faire son base de franchise, de sincérité, de loyauté, et côté que c'est intérêt Haïti qui passait avant toute bagaille, c'est intérêt peuple haïtien qui passait avant toute bagaille. Donc, politique, c'est comme ça que politique fait qu'ils ont pouvoir, qu'ils ont opposition. Donc, pouvoir pas ennemi, opposition, et opposition pas ennemi, pouvoir. Et pouvoir et opposition, ils ont appelé pour mettre tête ensemble, pour dialoguer, pour communiquer, pour négocier, pour faire ça qui est bon pour le pays. Donc, le pays, là, Haïti, peuple haïtien, là, que l'État a dans l'élection, et que peuple haïtien élu président Jovenel Moïse, et que opposition a été participé dans l'élection, opposition a été des monde qui est élu dans d'autres sphères en tant que pouvoir et que opposition a des responsabilités pour pays qui a fonctionné bien. Là, pour reconnaître que c'est pas opposition qui est gestion de la chose publique, mais c'est pouvoir mais qui établit, qui est plus que responsabilité pour faire fonctionner pays. Mais pour fonctionner pays, pour pays arriver fonctionner bien, mais ça a mandé une entente entre pouvoir et opposition, acteurs politiques. Par conséquent, que pouvoir lui-même prend conscience de situation de misère, de pauvreté, de situation de grand goût, de souffrance, de situation de corruption que le pays a gagné, d'impunité que le pays a gagné, et que pouvoir, président Jovenel Moïse, entende eh bien, combattre corruption, entende combattre impunité, entende changer ordre politique là pour une nouvelle ordre politique, un nouvel ordre système, un nouvel ordre social, un nouvel ordre économique. Quand vous jouez un challenge à demander, pendant que nation, un peuple haïtien a demandé un nouveau système, mais pour arriver à mise en place de nouveaux systèmes, il faut que nous fassions avec entente et participation de tout le monde qui est concerné et particulièrement acteurs politiques, tout nécessité pour dialogue là. Donc, démarche gouvernement bon côté OEA, est-ce que ça t'a traduit qu'effectivement, chef l'État a perdu le pouvoir de convocation? Le président Jovenel Moïse n'a pas perdu le pouvoir de convocation pendant qu'en pile monde mettait ça dans la tête. Le président Jovenel Moïse, il fait appel. En démocratie, ça arrive dans toute la démocratie. Ou qu'a fait invitation à des groupes organisés, à partis politiques qui dans l'opposition, pour une raison pour une autre, yo qui doit décider que yo pas répondre à l'invitation ça qu'on fait. Yo. Et c'est un droit qui nous gagne. Et c'est pas parce que yo pas répondre à l'invitation qui fait que le président de la République là perd du droit de convocation que le gagne.
c'est une politique, c'est une bataille démocratique. Par conséquent, on peut capable quand même comme pouvoir revoir les choses, réviser les batteries, on va le réarticuler, on va le faire une nouvelle articulation, et à partir de l'articulation qu'on va faire, on va le joindre espace pour capable permettre que mon côté invité Vinci à parler ensemble avec vous, pour qu'on mette en confiance pour Vinci à parler ensemble avec vous. Parce que mon si là, il y a différents intérêts, pays, intérêts haïtiens, intérêts peuple haïtien, ou même comme président de la République, comme pouvoir, ou à défendre et assurer intérêt peuple haïtien, ou à gérer l'intérêt peuple haïtien. Par conséquent, on a besoin en face là. Donc, on pose son vis-à-vis que lié au besoin vis-à-vis ça. Société civile là, on a besoin. Ou organiser en la société, on a besoin. Donc, de toutes les façons, pour jouer un modus operandi qui permette que vous capable chita parler ensemble avec vous pour dégager un consensus qui pourra permettre que vous portez solution à différents problèmes politiques qui posent vous, à différents problèmes sociaux et économiques qui posent vous. Donc, de toutes les façons, c'est pas tête ensemble, c'est pas vivre ensemble, c'est pas agir ensemble, n'a privé sorti Haïti dans sa queue. Tout dans démarche la présidence, dans démarche pouvoir, pour parler ensemble avec acteurs politiques, protagonistes qui concernent eux, eh bien, ont invitation de lancer avec eux, ils ont boudé invitation, mais nous reconnaître qu'ils sont droits qu'ils gagnent, et en même temps tout, ils ont un devoir pour chiter parler à pouvoir, pour permettre que nous sommes capables de débloquer la situation, et nous croyons dans la plus prochaine nouvelle invitation qui va faire. Et d'ailleurs, il y a d'autres mondes qui ne doivent pas venir chiter formellement, mais il y a des démarche qu'a peut faire le pas pouvoir, et bien auprès d'une série d'entités politiques, entités sociales, entités économiques, et bien il y a une démarche informelle qui commence à faire, et bien voilà, nous pourrons reformaliser la question, et comme ça, nous sûrs et certains y a répondre. Et même quand tu as une deuxième convocation qui n'a pas arrivé à répondre, ou pas qu'à courir, il est dit que le président de la République là fait du droit de convocation. Donc c'est une bataille politique. Donc encore, il faut venir à nous-mêmes au niveau du pouvoir pour que nous soyons capables d'articuler une façon claire, nette et précise qui pour assurer en face là et mettre en face là en confiance que vous venez chiter à dialoguer ensemble avec nous. On n'a pas parlé d'opposition politique là, mais on a parlé de plusieurs autres secteurs qui ont même déjà une invitation et qui n'ont pas répondu. Pendant que vous parlez de mission de l'exploration... Mais c'est aussi bien qu'il y ait un journaliste guerrier que il y a un droit dit selon les lecture qu'il est capable de faire de l'évolution politique là, il est capable de dire qu'il n'est pas venu chez nous parce que quand même, il y a d'autres secteurs capables de faire politique pure, mais il y a fait politique quand même, il a fixé une position, il y a une revendication par eux, il y a un droit dit qu'il n'est pas venu. Mais ça parle de dire pour autant, eh bien, position, on va le chiter à Soli, on va le proposer extrême sur question. Hein. Donc, encore, on nous dit la sagesse du pouvoir, l'intelligence du pouvoir, eh bien, l'intelligence politique du pouvoir, l'intelligence sociale du pouvoir, à permettre que nous fassions articulation eh bien, sous leadership président Jovenel Moïse pour qu'il soit capable de chiter à parler ensemble avec nous. D'accord. Pendant que vous parlez tout à l'heure de mission OEA, pour mission d'exploration, mais c'est quand que déjà décidé. Hein? Puisque selon Miami Herald, il y a un officiel qui dit qu'il n'y a pas l'accès dans la mission, qui dit que qui déjà référé opposition à élection, si vous voulez remplacer Jovenel Moïse, et d'ailleurs, il n'y a pas demandé le propos aller lui-même. Donc, c'est déjà en conclusion. Bon, premièrement, autant que nous connaissons en matière de relations internationales, et Radio Classique, et Radio Caraïbes, gagnent experts dans le domaine ça, que nous avons l'habitude de tenter avec un peu d'attention soutenue, et que lui-même, il a porté un éclaircissement sur la question ça. Donc, OEA, en tant qu'organisation hémisphérique, dont Haïti fait partie de l'OEA, OEA pas capable de rentrer dans un pays pour que l'État vienne by l'ordre et puis pour tirer conclusion.
Donc, le journal Miami Herald qui a fait une interprétation par l'agent Tenier, est-ce que ça veut dire ça officiel au Réadadia, et c'est ça qu'il a traduit. Donc, dépendamment de qui journaliste a écrit, a dit que ça, et bien, il fait opinion personnelle passée bon, sous ça, question. Donc, le pouvoir haïtien, le pouvoir exécutif là, lui, pas de dictée que la prenne internationale, et opposition haïtienne n'a pas de dictée la prenne internationale, et société civile n'a pas de dictée la prenne internationale, parce que Haïti, était un pays indépendant, nous sommes un peuple indépendant, nous sommes un peuple nous autonome, et bien tout ça que nous avons fait, démarche président Jovenel Moïse, l'été dans le contexte haïtien, l'été dans l'haïtianité et en tant qu'haïtien, que c'est nous-mêmes en tant qu'haïtien pour capable de jouer une solution à problème haïtien. Donc président Jovenel Moïse, pas chercher solution internationale, pas chercher solution étrangère à solution haïtienne. Donc OEA, eh bien, pas ta capable de faire leçon à président Jovenel Moïse, à pouvoir venir aussi bien ta capable de leçon à opposition, à société, à nation. Merci un peu, le Patrick Crispin, nous t'écoute pas là comme matin. Donc, nous avons des appuis, nous avons voulu ajouter, nous avons entendu les amis, nos frères, nos matins, Maître André Michel, qui a parlé du président Jovenel Moïse. Nous avons rappelé que André Michel, c'est un avocat très chevronné, qui rend un plus grand service à la société et à la nation, va reconnaître ça. Mais le gage que l'IT prend pour l'IT parler de président Jovenel Moïse, à savoir, l'IT dit que président Moïse sont volés, sont zinglins d'eau, et que le rapport au coup supérieur des comptes là confirme ce laissez me demander, est-ce que c'est avocat qui t'a parlé, même en tant qu'homme politique, je pense que les bons devoirs de réserve, ça que je ne parle pas, c'est pas ça que l'IT a supposé dire. Vraiment, au rapport. Ça, pour nous comprendre, il y a un audit, son expertise professionnelle qui est effectuée par un agent qui est compétent et qui est impartial pour aboutir à un jugement par rapport à normes sur l'état financier, contrôle interne, organisation, procédure, opération, quelconque d'une entreprise, d'une entité que la préfère. Et il est capable de faire opération d'évaluation, d'investigation, d'irrigation, à contrôle. Mais parce que le rapport dit tel bagaille, ça va lui dire que ou même la loi, avocat connaît bien. La loi, même quand tu as fait un jugement, au coup supérieur des comptes contre yon moun, tu as pour un arrêt de débat, lui, moun a bien voie de recours par devant cassation. Donc, on pas capable de chiter sous un rapport qui dit tel bagaille, et puis pour accuser l'institution, pour dire, coup supérieur des comptes dit président pays a dévolé. Pour dire pour se répondre, président Pélien, c'est zinglin d'eau. Mais un peu de respect pour l'institution. Donc, pour se répondre, c'est une institution qui norme. Lui fait un travail. Travail qu'il fait, la loi dit qui est capable de faire. Et pour établir la vérité sous question. Or, comme avocat que le connaît, tout autant au monde pour qu'on juge et pour qu'on condamne, lui jouit de présomption. Mais lorsque vous êtes politique, ou il y a plus de monde qui suit vous, pour parler comme ça d'un chef d'État, bon, c'est une bon logique des choses. On a dit que, on prend un exemple, il y a un monde qui t'a mené la question des affaires des postes de l'agent Petro-Caribé. Et que, ou t'as avocat Mounsar, et que, il y a ouais, que l'agent que Mounsar a payé au. Pour service professionnel non, droit, c'est l'agent Petro-Caribé à Gueule-Caillé. Il laisse ça. Qui sont abdits de tête au même. Et que d'autres mondes qui ont cité dans le rapport, est-ce que, en dans opposition que lié, est-ce que pas gagné un sénateur que ont cité dans le rapport, qui est dans l'opposition, est-ce que, par exemple, n'apprend monde qui a demandé président Jovenel Moïse, par exemple, c'est sénateur Dira. Est-ce que le sénateur Dira va sortir, je ne vous dis pas, pour dire des mensonges dans le rapport où se met des comptes là? Qui ça le dit? D'accord. Est-ce que l'institution, ça, Sénat de la République, là, que se met des comptes dans le rapport là, dit que 50 millions de gouttes, chambre députée, se met des comptes dans le rapport, dit que 219 millions de gouttes que tu as géré? Est-ce que les députés oppositionnels ont chuté ensemble avec eux, ces volets, ces indiens de Kéoïen?
Est-ce que les 10 sénateurs opposition, c'est voilà le papier ensemble avec eux, c'est un de curieux? Alors que le Parlement, son institution, M. André Michel, avocat, juriste de son État, on est plus bien encore passé de s'accueillir les personnes morales. Donc, est-ce le Parlement concerné par rapport au coup supérieur des comptes-là, ça mettait en cause gestion Parlement fait de l'agent pétro-caribéen. Alors, ce que le sénateur a dit, 50 millions de gourdes que l'on dit dans le rapport au coup supérieur des comptes-là, et que l'agent, ça a, c'est pas la fonds pétro-caribéen que l'on sorti, c'est la trésor publique là. Mais peuple haïtien dit tout, tel que soit côté l'agent, l'État a sorti que l'on dépensé, je veux redition des comptes. Parce que quel que soit côté problème à l'État à sortir, il faut le bien dépenser. Merci un peu, Patrick Dispin. Bonne journée. Donc, elle dit que Mme André Michel, donc, il fait trop de bagages déjà dans la ville, dans le pays, pour que la diabolisée le chef de l'État comme ça.